Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va découvrir ensemble une gamme de liquides vendus exclusivement en bureau tabac, la gamme ECG. Donc voilà, le logo vous dit bien quelque chose, c'est bien la marque OCB donc qui a sorti ses produits de vape vendus exclusivement chez les buralistes. Ils m'ont proposé de tester leur liquide, donc j'ai accepté. Je vais vous en proposer 3 en test aujourd'hui. Ce sera donc le Cuba Libre, le fraise des bois et le goût américain, donc ce sera un tabac. Effectivement, je me doute bien que devant la caméra, certains commencent à se dire « Oula, ils proposent une revue de liquide de l'industrie du tabac ». Voilà, on m'a envoyé des liquides, on va les tester, je vais les décortiquer comme j'ai l'habitude de le faire. Maintenant, je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Voilà, ces liquides sont fabriqués donc dans une usine basée à côté de Perpignan. Ils ont des normes, ils sont certifiés aux normes ISO 14001 et ils proposent 14 parfums en tout. Vous avez également du café, de la menthe, du chocolat. Voilà, il y a pas mal de choses. Maintenant, à voir, plus important, le goût. On va d'abord parler donc de la bouteille. On est sur une bouteille de 10 ml, assez classique, avec donc bouchon sécurité enfant. On a le picto malvoyant. Sur l'étiquette, tout est présent, la composition, le numéro de l'eau, on a le taux en milligrammes de nicotine. Il nous manque juste le ratio PGVG, sinon on a à peu près tout. On a même les petits pictos en dessous, pas de problème là-dessus. Le ratio PGVG, je pense que par rapport au liquide, on est sur de l'entrée de gamme, à mon avis c'est du 80-20. De toute façon, par rapport à la viscosité du liquide, je dirais que c'est du 80-20. On va être sur donc un liquide de couleur transparente pour ce premier test, le Cuba Libre. C'est parti. Au niveau de l'odeur, bah écoutez, je ne sens pas grand chose. Honnêtement, c'est assez rare, mais là, pas beaucoup d'odeur. C'est parti pour le test du Cuba Libre. Bon, vapeur correcte. On est sur un 80-20 de toute façon, donc faut pas s'attendre à avoir de gros nuages. Même si je suis sur Dripper, donc de toute façon, on aura quand même une belle production. Niveau du 8, inexistant. Normal, on est sur un liquide qui est en 0 mg de nicotine. Au niveau de la saveur, bon, je ressens bien ce côté cola citron vert. Maintenant, ça manque un peu d'arôme, je trouve quand même, parce qu'on est sur le Dripper, donc ça devrait péter en bouche. On est sur un arôme qui reste très très léger. Hein. Maintenant, c'est pas non plus mauvais. J'ai un petit goût chimique en bouche, peut-être un peu trop de sucre au niveau du liquide. Bon, ça se consomme. Voilà, sans forcément plus de plaisir que ça, mais c'est pas non plus immonde, ça reste un liquide entrée de gamme, tout court. Maintenant, je suis un peu plus sceptique sur le fait de l'utiliser sur du matériel style donc Clearomizer Stardust. On risque d'avoir un rendu presque nul, tout simplement par le manque de saveur proposé. Et on va tester maintenant le liquide fraise des bois, donc proposé par la marque ECG. Donc, toujours un liquide transparent. Au niveau de l'odeur, toujours rien. Ça, c'est très étonnant. Je ne sens absolument rien. Donc, c'est parti pour le test. Donc, du liquide fraise des bois en 0 mg de nicotine. Belle vapeur. Hit inexistant, toujours. Au niveau du goût, écoutez, je suis assez étonné. On est sur un liquide plutôt bien fait au niveau de la fraise. Si sur le premier Cuba Libre, il y avait très peu d'arôme, je trouve qu'au niveau de la fraise, on est sur un liquide qui a de l'arôme. Clairement, on va être sur un liquide qui ressemble à un goût chewing-gum Hollywood fraise. Voilà. Si vous cherchez un peu un comparatif, ça va ressembler à ça. C'est pas la meilleure fraise que j'ai vapée,
Mais ça se va, hein, c'est cohérent. Bon. C'est pas non plus très gourmand, mais je pense que de toute façon à la base c'est pas fait pour. Ce sont des équipes qui sont en trade gain. Maintenant, à voir sur le matériel qui est proposé avec. Mais au niveau du goût pour ce liquide, donc fraise des bois, c'est tout à fait cohérent. Et donc pour finir le test du goût américain, donc goût américain, ça va être un tabac classique, je pense, on va voir. Donc toujours transparent, toujours en 0 mg de nicotine. Et au niveau de l'odeur, toujours pas grand-chose. Voilà, c'est parti. Donc le test du goût américain de chez ECG. Alors, vapeur correcte pour un 80-20. On est sur un tonicotine néant, donc pas de 8. Au niveau du goût, alors je trouve que c'est très sucré. On est sur un tabac, clairement, un tabac assez neutre. Donc tout ce qu'on peut trouver goût américain, voilà, ça ressemble à... C'est toujours la même chose, on a une espèce de base de noisette assez légère. Mais là, cette fois, très sucré, hein. C'est assez prenant. Pas sûr que ça convienne aux personnes qui recherchent un vrai tabac. Parce que là, on est vraiment sur un goût presque... On est sur un tabac gourmand, mais vraiment chargé en sucre. Je trouve ça assez déplaisant d'ailleurs. Maintenant, au niveau du goût... Ça reste assez fade, hein, comme la plupart de ces tabacs assez neutres, voilà, qui pour moi ne sont pas des tabacs d'ailleurs. On peut appeler ça comme on veut, mais ça ressemble en rien à un goût de cigarette. On est vraiment sur normalement un liquide avec un hit prononcé et un goût se rapprochant de la noisette ou de la cacahuète pour se rapprocher un peu du tabac, mais ça en reste quand même assez loin. Pas grand chose à dire pour moi, c'est pas top top. Ouais, limite écœurant même au niveau du goût parce que vraiment trop chargé en sucre. Voilà, donc en conclusion, pour ces liquides ECG, on est sur des liquides qui sont entrée de gamme. Il y a encore du boulot parce que le Cuba Libre manque d'arôme clairement. Le goût américain est trop sucré, trop chargé. Maintenant. Il y a des efforts qui ont été faits par cette marque. Ils proposent des arômes un peu plus recherchés que d'autres. On a la Tequila Sunrise par exemple. On peut avoir du double pomme. On peut avoir un liquide agrume. Ça change un peu de tous les liquides qu'on va retrouver chez les buralistes habituellement et qui seront souvent limités à fraises, tabac et pommes. Là, on va avoir quand même un peu plus de choix. Sinon, on reste sur des liquides qui sont rentrés de gamme, qui seront vendus, je pense, aux alentours de 5,90€, 6€. Je n'ai pas les tarifs. Si vous voulez consulter leur site internet, je vous le mets en dessous. Voilà donc e-cg.net. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou une revue matérielle. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, surtout une bonne vape. Ciao!